Allez, coucou tout le monde. Comme d'hab, on est sur un truc un peu space, autrement je ne l'aurais pas filmé. En effet, le frelon asiatique, depuis quelques temps, se met de plus en plus souvent dans les troncs d'arbres. Donc en fait, il est en train d'imiter son congénère, le frelon européen. Et vous pouvez le voir. Hein. Regardez ça. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien. Vous voyez, le nid est quasiment comme un nid de frelon européen. Oui. Alors bien sûr, je suis complètement en contre-jour. On les voit bien là, hein. Voilà. Donc là, c'est quand même assez surprenant. C'est un nid qui est assez intéressant d'ailleurs. Donc je vais traiter. Et vous allez les voir un peu mieux, vous voyez. Frelon asiatique autour, dans un tronc d'arbre. Donc c'est de plus en plus courant, hein. On a de plus en plus de cas comme ça. C'est très très dangereux parce qu'on pense à du frelon européen qui est tout à fait basique. Et en fin de compte, pas du tout, vous êtes sur du frelon asiatique. Donc attention, encore des piqûres à déplorer bien sûr sur un cas comme ça. Et vous voyez, le nid est loin d'être anodin, mais il se ressemble de plus en plus à du frelon européen. Pas par sa couleur, hein, puisqu'il est quand même très différent, mais par son agressivité. Voilà, regardez ça. Énormément de bestioles. Hein. Donc la dame, bien sûr, elle s'est approchée, elle n'a pas compris. Quoi. Boum, bim, bim. Allez, là, c'est le prochain numéro. Mais vous voyez, hauteur 20 cm. Hein.